pêche pas dans ce tunnel d'habitude. Mais je me suis dit que ça pourrait mordre pas mal par ici. Salut tout le monde, c'est Firecrux. Ah putain le con. Bonjour, je suis dans l'eau. On se retrouve sur le métro Last Light. Partie 8. Eh, on retrouve à la surface, connard. C'était moi une. Oh, il y a des mutes. Bon, attention par ici. Ah. Il n'y a pas que des poissons dans l'eau. Hop. Chut, je lis la note. Faites pause, hein, comme d'habitude. Voilà. Très vite. Bonsoir. Bonsoir. À rampe, quand je te dis. Bonsoir. On se retrouve sur mettre la slide. Non. Ah. Je voulais pas se baisser, c'est tant que j'ai. Ah, faut que je te laisse. Ce tunnel mène à la place de la Révolution et à la ligne rouge. J'ai vu un bateau venir de là aujourd'hui. C'était des gars costauds, pas des réfugiés. Quoi? Ah. Je... Ne fais pas de bruit. Chut, arrête de faire elle du bruit. Elle pas ça, elle chez elle. Ouais, t'as vu? Elle reste tranquille. Wow, c'est quoi ce bug? Doucement, doucement. On vous veut aucun mal. Le graphique. On sait pas depuis quoi elles ont muté. On les appelle merde. Les crevettes. Elles sont moches mais très bonnes. Surtout avec de la bière. De la bière? Ouais. Alors, une nouvelle créature que vous connaissez pas dans le premier métro qui apparaît dans celui-ci. Oula, merde, ce bug graphique quoi. C'est un peu moche. Ah. Salut. Coucou. Jolie ta bouche. Mais bah attends, hein. Ils sont partout sur l'écran là. Oh putain, ils ont une salope là, ils nous attaquent. Il faut qu'on se tire de là. Les laisse pas monter. Elles pourraient nous renverser. T'inquiète. Ah, faites gaffe. Vite, les tuer. Ça vous jette du des pétains de poison, ces salopes. Oh, c'est quoi ce bug graphique là? C'est quoi? BOOM! What? D'accord, ça l'avait pas touché. The fuck. Wouah. Ah, ça brûle. Oh, pour l'instant, elles sont pas très coriaces, on va dire. Aïe. Oh putain. Oh le con. Oh mince. Ouh, est-ce que tu t'es pris la bestiole? Mon dieu, elle va te faire péter. Boum. Elle brise mais c'est pas fini. Wow. What? Mais... comment il m'a chopé? La première fois que je m'étais chopé comme ça. Mais... lâchez-moi! Oui! Enfin, c'est la fin! Oula! Moi je dis ça va faire kaboum un peu, non? Bon, bah clope, au revoir. T'as le coup de temps d'enfumer des autres, YOLO. Je m'étonne que ça fasse ça. Le nombre de grenades qu'il y avait dedans, c'est bon quoi. YOLO. Ranmer. Toi le soir aux actualités dans le métro. Ranmer est survenu lors de le mec. Face quoi. C'est rare que ça arrive. On dirait qu'on a de la chance. Hein? Elle a de la chance, ouais. La Venise souterraine. Non, on arrive à Venise. Oh. Les rumeurs qui circulent à son sujet ne sont pas bonnes. Il
paraît que c'est un repère de voleurs. Oula, oui. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Pavel a atteint Venise. Et s'il n'est pas trop tard, il y est toujours. Ma priorité est de trouver le sombre. Mais je dois aussi découvrir les plans de Corbut pour pouvoir les transmettre à l'ordre. Ouais. Espèce de Pavel, on va te retrouver. On dirait qu'on a réussi. Mais non. Eh, tu fais la sieste ou quoi? T'en penses quoi? Pas du tout. Ils sont locaux. Ils sont charmants, pas vrai? Vous avez l'air furax. Un peu charmant. Comme si quelqu'un avant nous les avait énervés. Ouvrez. On se demande c'est qui est passé avant nous. Ouais, je suis pas aveugle. Et qui est là? Ta gueule! J'ai ramassé ce gars dans le tunnel. Tu crois quand même pas que j'aurais dû le laisser là-bas, hein? Ouais, grave. Quoi? Pour me simplifier la vie? Bien sûr que non. D'abord du rouge, et maintenant ça. Et je passe ma vie à ouvrir et fermer la porte. Tu pourrais ramener une fille pour une fois. Et qu'est-ce que tu en ferais si j'en ramenais une? C'est Menovitch, hein? T'es bien trop vieux pour ça. Eh ouais. En fait, tu ferais mieux de fermer la porte, ou sinon, une bonne femme pourrait venir, habillée en noir avec une faux à la main. La faucheuse. Pas de soucis. Semenovic vous enterrera tous. Oh. Ça bordait bien? Non. J'ai eu que dalle, à moins que tu comptes les crevettes. Et elles m'ont pas vraiment raté. J'ai été sauvé par ce gars, Artyom. Ravi de te rencontrer, Artyom. Merci du coup de main. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les crevettes se sont lancées à nos trousses dès l'embranchement. Mon bateau a failli y rester. Je me demande vraiment ce qu'il leur a pris. Oh, c'est simple. Les rouges sont passés par là pour rencontrer nos très chers voisins. Ils avaient pas l'air de se soucier du reste. Ah, alors c'est pour ça. Eh ouais. Écoute, Artyom. Je peux me déplacer sur les... Je crois qu'il faut être franc. Venise grouille de bandits. Des vrais saloperies. Ils vont dans d'autres stations pour violer et tuer. Mais ici, c'est plutôt calme. Alors tiens-toi tranquille. Je veux pas de problème. Simo! Hey, Simo! Coucou. Il faut que je te parle. Bon. Ouais. Est-ce que tu sais où sont nos amis les rouges? Au bordel, bien sûr. Bordel? Qui est avec toi? C'est Arthur. Le fléau des crevettes. Vous devriez le voir tirer. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué que lui. Je m'étonne. Une gâchette, hein? Tu pourrais m'aider à éliminer des sales mecs? Simon, j'en étais sûr. Tu commences à me saouler. Mais ils sont presque tous rassemblés dans l'entrepôt. Si ça c'est pas une bonne occasion, je m'y connais pas. À nous deux, on devrait pouvoir les éliminer. Je te l'ai déjà dit 100 fois et je vais te le répéter. Non, j'ai pas besoin d'emmerde par ici, c'est bien compris? Ouais. Ouais, c'est compris. Ok, bon, je vais devoir vous laisser. Ok. C'est con, hein. Dans une station criminelle. Pourquoi c'est lui le chef? Hey, Simon, t'es doué avec les moteurs, pas vrai? Ouais, pourquoi? Ben, je sais pas. Tout marchait hier. Maintenant, ça tousse et ça crache de la fumée. Le démarreur, peut-être. Bon, regardons ça. Non. Et les cylindres? Non, ça aurait pas pu les casser. Un coup comme ça, ça aurait tout... Tu peux monter sur le bateau, tu sais, hein. Bon. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je vois pas que ça rentre pas dedans. Espèce d'idiot, ouais. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te donnes la bouffe? Oh, j'ai... costume. La meuf, quoi. C'est pas un cochon, hein. Attention. Oh, un filtre. Salut gamin. Toi tu fais dodo. Est-ce qu'on peut... Non, pas piquer ce qu'il... Bonjour. Attends un peu. On va attraper un poisson et Tata Nadia va le faire frire. Quoi, j'ai pas les sous-titres ici. Attendez. Je dois avoir les sous-titres normalement. What? Attraper un poisson et pas un cancer comme maman. Ouais. Ça, un cancer. Ça s'attrape pas avec un lapin. Mais maman, on a attrapé un et elle est morte. Je veux pas attraper un cancer. Non. On va pas en attraper. On a un détecteur maintenant. C'est quoi un détecteur?
Un truc pour faire peur au cancer? Non, ma puce. Ça nous montre le niveau de radiation des poissons. Ça montre les cancers? Si tu manges un poisson qui n'est pas trop irradié, t'auras pas de cancer. J'aurais aimé avoir ça quand ta maman était en vie. Et comment ce truc fait pour savoir si c'est un poisson ou un cancer? Écoute, ma puce, tu fais fuir tous les poissons avec tes questions. Va jouer avec les garçons pendant que j'attrape le dîner. Ouais. Je veux pas. Les garçons, ils sont débiles. Ils jouent à des jeux débiles avec leurs bateaux débiles. J'ai faim. Les poissons ont mordu, papa? Non, ma puce. Chut. Papa, j'ai faim. Tu as eu un poisson? Non, ma puce. J'ai pas besoin de karma? Attends encore un peu, sois gentil. Non, c'est pas avec lui alors. Il m'a fait tremper, bon, c'était sympa comme histoire, on va dire. C'est vous les garçons débiles avec les bateaux débiles? On dirait. Ah, le mec. On vient juste d'Obtiavoskaya. Pendant qu'on y était, les gars et moi, on a vu un spectacle de monstres. Alors? Là, il y a le sous-titre. What? Bestiole. Il l'appelait la terreur de la nuit. Bon, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu détente. Hein. Mal foutu. La station est assez grande à fouiller et La nuit, il en tremble encore. Je peur. Tu sais ce que c'est que cette histoire avec les cocos? Fou camp d'ici. Ta gueule. Bah ce que je veux quand même. Tu sais ce que c'est que cette histoire avec les cocos? Il y a de l'alcool. Ils avaient une sorte de réunion avec Kisly et les fonctionnaires. Écoute mec, j'ai besoin de bons matos. Combien? Tout ce que t'as. Comme si t'avais pu tout mettre dans ta poche. Donne-moi le truc avec lequel tu le transportes. Et ça fait 10 litres. Ouais, mais on est deux. Comment ça, deux? Et dis-moi les séries. Ils en trouveront tout seuls. Tu sais quoi? T'es un putain de fumier. Respect. En poisson à bas prix. Pourquoi tu nous regardes comme ça? Mais les balles. On va te les faire bouffer. C'est compris? Quoi? Allez, dépêche! Ouais! Ouais! On va te payer comme il faut! Poisson frais, pêche ce matin! On dirait qu'il a changé d'avis! Non, vieux, ça marche pas! D'accord, laissons-le respirer! Je crois qu'il a compris! File-moi la bouteille et dis merci! Merci! Tu vois, problème résolu! Allez, on se tire! C'est parti! On s'est bien marré! Les enculés. Les bandits de partout. Ah bah là oui tu t'es fait avoir mec. Putain, vraiment des connards. Hein. Bonjour. Tu le tes lunettes. Hop là, donne-moi tes sous. Ils ont tous les croix dans le but, c'est... Ah bah oui. Si là tu seras déjà mort mec. Salut. C'est pas trop étroit, non ça va. Non tu tues. Vous n'auriez pas quelques balles? Ah, pas de soigner. Pas de soigner. Hein, je peux jouer de la guitare? Joue de la guitare. Ah ça c'était la bande originale du premier métro. C'est pas celle de la slide, c'est une autre la slide. C'est de métro 2033. Bon vous la connaissez hein, regardez le premier let's play hein. Bon. On continue. Ah là oui, c'est vraiment détente aujourd'hui. On part un peu là, vers la fin, c'est un peu plus action, mais pas beaucoup, on va dire. Je vais avoir bouffé aussi? Non, c'est mort. Ah non, il y a tellement de gens qui attendent. Qu'est-ce que tu fais toi avec ton truc là? T'as pas fini de te balader? Lol. Hey gamin, c'est interdit de faire des graffitis là. Écoute mec, dis-moi, t'aurais pas une balle à me donner? Tiens. Merci mon frère, merci. Vas-y mon frère. Je peux même plus le regarder.
On pourrait pas avoir un peu de pain? Où est-ce que je pourrais trouver du pain? Ta gueule! Ils n'en ont même pas à Novokumnyatskaya. Qui est là? Qui c'est? Je sais pas. Enculé, t'es barbe. Bah, y'a un truc à dire, toi, non? Non. Alors. On va aller voir le chef de la station. On connaît, déjà. Alors, on fait le tour des environs? Pas encore. Pas fini encore. Faut qu'on discute, toi et moi. Chut, tu vas être toilette. On dirait que t'es coincé ici pour de bon. Non. Tu viens sont inondés partout. Et si tu vas à Novokousneskaya, autant dire que t'es foutu. Je crois que ça te laisse peu de choix. Mm-hmm. Voilà ce que je te propose. Tu peux rester ici avec nous. T'es jeune, costaud, plutôt adroit. Et on te trouvera du boulot rapidement. Surtout que ceux qui débarquent ici ont été refusés à Novokousneskaya. Réfléchis bien. Tu travailles avec ton pêcheur, tu te familiarises avec notre univers. Et peut-être que tu finiras par apprécier cet endroit. Tu pourrais même te trouver une gentille fille. Ouais. Je te pense à rien. Va te reposer un peu et essaie d'éviter les ennuis. Les bandits semblent un peu à cran aujourd'hui. Ouais, je le vois, oui. Deuxième note. Ah non, première note de Venise, je veux dire. Hop. On a le temps de dire, de toute façon, et pas grand chose. Ça va. Qu'est-ce que t'es en train de regarder? Je crois qu'en fait il vous a abandonné les mecs hein. Vous êtes fait pigeonner vous aussi de votre côté en même temps. Trop lolo. Je déclate, mais vous ramez vraiment trop lentement. Ouais. Salut. C'est une pute. Ouais, son sting. Non. Le bordel ici, c'est ce qu'il me semblait. Juste là-bas. Coucou, live. On est déjà là depuis une demi-heure. Tu sais pas qui je suis? Allons discuter. Ouais. Pas de sacroille, Toka. Qu'est-ce que j'ai dit? Dehors. D'accord. Et emmène toutes tes merdes. Pas de problème. Messieurs, je vends. Pourquoi tu trahis comme ça? C'est un nouvel inventaire. Putain de bande. C'est bon, Toka. Doucement. Fais pas peur aux filles. Ouais, grave. Maintenant. Pote a dit maintenant. C'est bon, ça va. On va être servi en un clin d'œil. Calme-toi. Non. Pourquoi t'as besoin de toutes ces balles? Si t'avais vu les trucs qui traînent aux abords de Venise, tu poserais pas la question. Les balles rebondissaient. C'est très rare. Un nouveau. Bonjour. Est-ce que vous allez rester un peu ici? Vous êtes là pour le travail? Non. Je te donnerai du sel et de la bonne herbe. Oh putain. Oh non, il va me saouler le con. Oh non. Quel serveur. Et on essaie d'éviter les gros mâles. Ça suffira peut-être hein. Blablabla. Je dirais que c'est un peu chelou là à contrôler alors. Hein. Oh putain. Ça va pas rester comme ça là trop longtemps. Ah, c'est passé. Tapez-vous. Il va tomber. Tu m'étonnes, il va ronfler. Pas qu'un peu, mais... Bonsoir, je fais que passer... Il y a un truc à récupérer, encore des sous. Par les balles que j'ai perdues, là. Hop. Oh, bah, largement rentable, hein. Plus 5, voilà, quoi. Il me semble qu'il n'y a rien. Il repasse ici, là. Il faut combien de fois le tour, hein. Ça me fait penser au splash. Le parc d'attractions. Alors, ouais, bonsoir. désolé, mais je suis obligé de passer par là. Désolé, zone P, ça. Hein, j'en suis, je sais pas comment. Enfin, on va voir. Je sais pas si nous on a le droit, c'est pour ça. Je verrai avec lui. Sex shop. Mon Dieu.
Bonsoir. Je me fais que passer. Encore elle, ça va. Ça, elle est habillée, hein. C'est après que ça va être un peu plus chaud. Bonsoir, on profite un peu du spectacle, hein, pas trop. Remets tes nénés, oui, tout à fait. Allez, je te donne des sous pour la peine. Non, les dieux. Ah, ils ont fait fin dans ce métro, hein. Dans le premier, il n'y avait pas ça, hein. Il n'y avait pas tout bons S presque comme ça, hein. Ça va, t'as dû toucher les seins, toi. Je te T'as aucune raison de rester là. Ta gueule. C'est ce que je veux. Reste-toi à ton Mac. Dégage. Oh. On n'a pas de Mac ici. Crache le pognon. Viens de danser sur mon poteau. Ils sont amis avec Kisly. Kisly. Ça, c'est du spectacle. Super. Je vais devoir servir ses amis gratos et devrais lui filer sa part. Bah ouais. Génial. Pourquoi ça sert? Bonjour, je vais faire passer. Ah oui, il est en show privé. Non, rate pas. Regarde pas. Je sais pas pour tout de suite. Je sais pas pour tout de suite. Non. Et vous, mesdames, vous faites quoi dedans? Voilà, c'est le prix. Salut. Encore une araignée, tiens. Et la dernière note. Je vais se faire pause. Hop. Bonsoir. Très bien, on s'est bien amusé, il est temps de bosser. D'abord, on paie Kisly, et tu vas vite voir le camarade Corbut. Tu lui dis que le contrôle du virus a bien été livré à Obdiabroskaya. Eh, hey, mon joli. Allons-y, le travail nous a fait. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui ne va pas? Ça me paraît pas correct. On a signé leur arrêt de mort. Ouais, franchement, hein. T'as trop hâte de me toucher, hein? Pas vrai, mon chaton? Si t'es tellement pressé. Une danse, mon chou. Allez, normalement, il y a une danse, hein. Mais je vais peut-être éviter. Je ne sais pas si ça va passer sur YouTube, c'est pour ça. T'es sympa, oui, t'es très joli, ça c'est sûr, mais non. Faut que je me casse. Désolé. Je pense pas que ça va passer, c'est pour ça. C'est tout? C'est dommage. Ah ouais. Si tu veux revenir, je serai dans le coin. Tout à fait. Tout à fait. Oui, tu vas quitter ce lieu, hein. Que tu fais là, dégage toi. On a pu avoir un show pro privé, moi, tu vois. Donc voilà, quoi, hein. On est un peu sur YouTube. Allez, le... Eh papy, ça va? Non? Que puis-je faire pour vous, jeune homme? C'est toi que... Est-ce que je peux vous aider à vous faire soigner, non? Vous êtes muet ou quoi? Toi, t'es dans le mal. La gueule, je suis pas muet. Si vous n'avez rien à dire... Des mines? Non, tous les jours, on est muet, à ce moment. Non. Je les ai testés moi-même. Et voilà la dynamite collante. Bon, allez, donc en je n'ai pas la vendre. Les stocks sont limités. Vous non. Trouverez pas mieux ailleurs. J'ai tout récolté moi-même. Je l'ai dit en sang, je dis ça. Surtout, allez, revenez quand vous voulez. Alors, vous serez toujours le bienvenu. Que je me rappelle. Je dois aller. Ça c'est la suite, il me semble. Attends. Attends, mec. Je vais finir de fouiller la base, moi je sais ce qu'il faut que je fasse. Ah oui, je vais tout voir toi. Changer, voir ce qu'il a. Ah, il a la carabine. Regardez, c'est vraiment une super. La calage que j'ai. RPK. Double machin. Bon bah pour l'instant, que dalle. Pour l'instant, ça me convient très bien ce que j'ai, y a pas de soucis à ce point. Ah non, c'est là-bas la suite, j'ai rien dit. C'est là-bas. Bon, ah, attendez. Lolololo, on se promène. Ah, un petit truc alors intéressant. On va prendre notre investissement. Donne-moi la marchandise plus deux chargeurs d'intérêt. Deux chargeurs? Mais notre accord c'était... L'accord disait que tu vendrais tout. Toi t'es moche. Désolé, c'est pas vrai. Toi t'es comme Corbut, toi t'as une putain de cicatrice sur la tête. Ça va, mon poussin. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, y'a la lumière, c'est la techno derrière là-bas. J'ai perdu mon nounours.
Calme-toi, mon chéri. Ça va, ça capote. On va trouver ton Elise. Allez, pleure pas. C'est dégueulasse, elle perd 36 ans. Je voulais lui montrer le champ de tir, mais on m'a crié après. Alors j'ai couru. T'as pas ton honneur, gamin? Bon, je vais te trouver, t'inquiète pas. Je vais tout vous rendre. Il faut juste du temps. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a de là-bas? Rends-nous la marche. Date ombre. J'avais oublié ce détail qu'il y avait, pour avoir son nom. Il est nul, il le mec. Est pas prêt de réussir. Tu m'étonnes. Touche un truc, putain. Je dirais qu'il a jamais tenu un flingue. Ma baise. Hé, hey, trouillard. T'es juste là pour regarder. Tu parles d'un tir. Ah ouais, vous voulez un tireur? J'arrive. Pas question. Allez, merde. Va dans tes trous, plus loin. Vraiment une merde. Les règles sont simples. Vous vous mettez en position et vous tuez toutes les créatures. Si vous y arrivez à mon signal, vous pouvez empocher vos gains. Les allumer. Osez. Entrez. Mettez-vous en place. Est-ce que quelqu'un a besoin de grenades ici? Alors. Pareil qui touchera que dalle. Qui me suit? Admirez, il va se deux contre un qui touche un truc. Je suis même d'accord pour trois. Super. That's score. Et il faut le faire trois fois. Super. Voilà votre gain. Vous montez la mise. Yep. En position. J'ai des couteaux super ici. Je les ai aiguisés moi-même. Ils sont parfaits pour se raser. Alors, il a réussi. C'est la chance du débutant. Voyons si ça se répète. Deuxième vague. Hop, hop, hop. Mec. Ah, bon, mieux prendre la calache. Hein. Je vous conseille. Voilà votre gain. Vous montez la pistolet, c'est pas ça. Des mines, elles sont sacrées puissantes. Je les ai testés moi-même. Et dernier coup. On se prépare. Alors, encore dans vraiment pas doué. Hey, toi, pas si tu vraiment pas doué. Ça et un balai. On dirait que t'es bien parti pour trois bouteilles. Pas question. La prochaine fois, il rate. Ça devient intéressant. Là, posez. C'était impressionnant. Tu m'étonnes. Voici un prix spécial. Plein de sous. Les cibles durent généralement jusqu'au soir. Vente et échange. Notre barbecue va être occupé un moment. Ça c'est con ça. C'est parti, on va rendre le nœud dans ce gamin. Ah, il te l'envolait un peu quand même, hein, ces enculés, non? Tiens. Mon honneurs. Oh, maman, mon honneurs. Il est revenu. Réunion. Comment t'étais passé? Réunion de famille. T'as bien mangé? Ne laisse plus jamais. Ouais. Oh, merci mille fois. Je savais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on dit? Cette personne a aidé ton nounours. Ouais, franchement, allô. Alors, qu'est-ce que tu dis? Merci. Merci. Merci, vous êtes adorable. Simon a trouvé cet ours en peluche à la surface. Les jouets sont rares ici, comme vous le savez. Ah bah ça. Mon fils adore ce jouet. Et si on rentrait à la maison maintenant? Je peux jouer ici encore un peu? D'accord. Mais pas longtemps. On va bientôt rentrer. Ouais. On se rend compte de te refaire piquer le nounours. Oh bah ils ont tout éteint. C'est fini. J'ai fait trop de carnage, on va dire. Le mec quoi. Aïe aïe aïe. Bon allez, on continue. Je crois que maintenant on est. Putain, ouais, plus de 30 minutes déjà, je pense. Ouais. La suite c'est par là. Hein? Ça. Non, je voulais éteindre le truc mais non. Il a pas voulu. Hop. Ah, c'est mode infiltration tout le long. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière?
C'est pas l'eau, hein. T'es mort. Merci d'être passé. Mec, quoi. Bien fouiller les coins, c'est souvent qu'il y a des... Bah, je peux pas me relever. Ah, j'étais déjà debout. T'as rien toi ? Oh ! Allez, sinon on peut tous éviter, hein. On peut tous les éviter, ça c'est sûr. Rien nous oblige à tuer. Je vais regarder s'il est tout seul, ça. Je sais pas, il me faire... Merde. Putain, mais... C'est quoi ce bordel? Mais what? Mais change de munitions. Oh. Restez calme. Ah, pas. Prendre feu moi comme un idiot. Oh, oh moi c'est cassé. Mais je comprends pas. Mais putain mais. Je vous assure j'appuie que sur R. Hein. J'appuie une seule fois, je reste pas appuyé. Hein, Pourquoi ça me change les balles sur les balles de sous, enfin les balles pour les sous. What? Ça c'est un bug que j'avais pas sur la version craquée, ça c'est un peu problématique. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Je devrais pas faire ça. Tu vois ce type avec le casque? Il nous a filé une valise la dernière fois qu'il est... Ah le casque. Et qui se l'a envoyé à aucun Blonsky. Il a dit que c'était plein de prospectus pour les ouvriers. Prospectus, putain. Mon cul. La valise avait un verrou. Alors, il y avait quoi dedans? Ça, j'aimerais bien le savoir. Toi, je te tue pas derrière. Hé, c'est quoi? Bam. Ça c'est fait. Ah, il se marre les gens. Oh putain. Rien ici. Salut. Boum. Couché. Je la foule en mine de flingue. RS. Hop, encore un truc. Oh, des claymores, j'avais oublié qu'il y avait des claymores dans le jeu. Des claymores à la mode Call of Duty. Je l'ai... Franchement, j'ai jamais utilisé. Ah si, une fois j'avais testé, mais... Oh, contre un mob, avant, ça avait bien marché, mais... Bah, t'es un rigolé là-bas, c'est n'importe quoi là. Quoi rigoler, même pas marrant. Ouais mais c'est quoi ces photos là? Ah d'accord, il y a des champignons qui te rend putain. C'est marteau les bonhommes. Ah, sans toi, toi. Ah non, ça, ça a pas changé. Ah, j'ai pas compris, hein. T'as de bug, quoi. Quoi? Quel choix ils avaient? Ils ont rampé. Wow. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas pour monter. Bonjour, les gars, et moi, on prend derrière.
Détale, merde. Putain, on était bourrés. Bah, vous êtes toujours bourrés. Enfin bref. C'est sûr. On avait bien bu, mais on en voulait encore. On va pas trop les titiller. On en a pas beaucoup, on va dire. Putain. Quand est-ce qu'on va pouvoir la goûter? J'en peux plus d'attendre. Faudra bien pourtant. Ça commence juste à ce qu'on en fait. Tu veux dire? Jette un œil. Ça mord pas. J'ai accroché le fil. M'en fous, j'ai besoin d'un verre. Attends un peu, Spiria. C'est quoi cette histoire de filtre? C'est juste un filtre de masque à gaz. C'est à cause de leur mou. Il empeste. Mais le filtre peut se charger de tout ça. Bon, je parle pas trop dans cette séquence. Je pourrais bien écouter ce qu'ils disent. Un bon filtre et de faire attendre encore les gars. Ouais! Comment ça un bon filtre? Comment il peut être bon s'il est usé? C'est ton cerveau que t'as distillé à ce que je vois. Cette merde va te faire. Ta gueule! Le filtre ajoute. Ta gueule! Quand quelque chose que tu saurais pas apprécier. J'en ai rien à foutre, moi! Allez, serre-moi un verre! C'est pas prêt! D'accord, attends si tu veux, mais moi je me casse. Ouais, hein. Je crois que je finirai juste par ramener ton cul au campement. J'ai besoin de personne pour me ramener au campement. Après avoir utilisé ce filtre, bah ça risque d'être le corps. Salut. Je ne fais que passer, je dis. Hey. Merde, espèce de bordel. D'accord. Attention. On a de la compagnie. D'accord. Oui, je me fais repérer, mais pourquoi pas. Bah écoutez, hein, ça passe en mode. T'es pas mort, toi. Allô. C'est bon, les gars, on y va. Ici, il y a quelqu'un. Hey, faut retrouver ce fumier. Mais on ouvre. C'est sûrement rien. Merde, j'ai fait un coup de bien. C'est sûrement rien. Mec, tout à l'heure ça tire dans tous les sens. Putain. Il est mort. On a toi aussi t'es à terre. Désolé. Bon bah c'est pas se passer comme je voulais. Hein. Bon c'est pas grave. Je regarde vite fait s'il y avait pas des choses à choper, mais non on dirait pas. Putain mais lol quoi. J'étais pas censé me faire opérer. C'est bizarre. J'ai pas compris là. J'étais bien caché pourtant. À moins que l'autre s'est retourné au dernier moment, qui est fort possible. Bah bon. Rien à choper ici. Il me semblait qu'il y avait un truc. Bon allez hop, on continue. On lâche son arme. Fuck. Main derrière la tête. Eh bien, quelle rencontre inattendue. Tu m'étonnes. On cherche le sombre, hein. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi, Hippolis. Mais c'est trop tard. Les sombres sont très forts. Le camarade Corbut va en coincer depuis longtemps. Imagine si on les dresse et si on les lâche sur l'ennemi. Bon. Doucement, doucement, d'accord, j'ai perdu. Et maintenant, tu cherchais le sombre, pas vrai? Il est tout prêt, à Oktiabroskaya. Je peux t'y amener. Pas d'embrouille cette fois. T'as ma parole. Tout le monde à terre, vite. Non. Eh oui, putain, t'as fait comme lui. Merde, il s'est enfui. Pourquoi t'as attaqué l'entrepôt tout seul? T'aurais dû essayer de m'appeler. What? Bon, t'as réussi. Mais tu vas devoir dégager de là en vitesse. Je connais une issue qui mène à la surface. Y a un marais, mais on peut le traverser. Allons-y. Vas-y. On y va.
YOLO, go le marais. Ouais, et... Et où sommes-nous censés passer? Hein, dis-le-moi. Tu caches peut-être l'entrée, hein? Qu'est-ce que tu fais, gamin? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, c'est derrière. Et ouais... Bien vu, l'aveugle. Allez, je te suis, quand tu veux. Enfile ça, c'est pour les bandits. Dieu, c'est quoi ce truc? Eh, moche. Oh zut, je suis badass. Allez hop, c'est parti. Eh ben non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avec un peu de chance, les nôtres m'attendront à l'avant-poste dans l'église abandonnée. Ah oui, ce que je sais. Je m'en rappelle. Sur une sorte de test auquel ils vont procéder. Nah. Et puis je poursuivrai ma route vers Oktiabrskaya. Le sombre est là-bas. Bon bah les gens, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Hein, avec la petite scène un peu hot. Bon normalement, comme vous avez vu, on peut la payer, nous faire un petit show privé. Hein, qu'elle se met presque à poil on va dire. Mais bon, j'ai pas préféré le faire, je sais pas si ce nous sur YouTube on pourrait passer la vidéo, enfin si ça passerait, je sais pas du tout. Bon on a mis plus 18 à notre chaîne, alors je sais pas mais bon. J'ai pas préféré prendre le risque, hein, de toute façon, si vous voulez vraiment voir, bah, vous avez qu'à acheter le jeu ou regarder une autre vidéo qui est pas censurée, c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà, bon moi je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 9 de Metro Last Light. Bye bye.